Bonjour, nous allons apprendre à calculer, toujours avec le théorème de Pythagore, la longueur d'un côté d'un angle droit dans un triangle rectangle. Nous avions vu précédemment, lorsque nous cherchons à calculer l'hypoténuse dans un triangle rectangle, nous étions obligés de faire la somme des carrés des deux autres côtés. Par contre ici, quand nous cherchons AB, un côté de l'angle droit, nous allons utiliser la soustraction. Donc, AB au carré est égal à l'hypoténuse au carré ici, BC au carré, moins l'autre petit côté, AC au carré. On remplace par les valeurs numériques, BC vaut 7, AC vaut 4, donc 7 au carré moins 4 au carré font 33. Pour se débarrasser du carré, je fais la racine carrée de 33 est environ égale à 5,7 cm. On vérifie quand même, 5,7 cm est bien plus petit que l'hypoténuse, donc tout à fait logique. Cette méthode est simplifiée, elle permet de ne pas modifier la formule. À bientôt pour une nouvelle vidéo.